Salut, alors comme je vous l'avais dit, je continue avec Silent. Alors là, je me retrouve. Je suis pas trop au même endroit que là où j'avais quitté la dernière fois, c'est parce que je fais un peu level up. Vraiment un peu. Hein. Niveau 4, niveau 5, voilà. Et il était niveau 1 à la base. Et vous allez comprendre pourquoi j'en fais. Putain, y'a un bois ici. Y'a un bois. Est-ce que c'est par ce bois qu'il faut continuer? Où est-ce qu'il faut aller aux ruines? Telle est la question. Ah bah on est ici le bois. Et parce que je fais de level up dans les ruines. Alors il me tuait presque en un coup. Enfin il faisait vraiment très mal. Et là je suis arrivé, j'ai fait des gros sorts genre Sakuraba, j'ai réussi à les tuer en un coup. En utilisant quasiment toute ma magie. Alors là Yu-Gi-Oh va être utile dans cette forêt. Il me faudra une attaque de feu sur une seule personne plutôt. Bon, top. Donc ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, le temple. Et ouais, j'ai mon premier combat, je l'ai réussi. J'ai monté de 2 niveaux. 2 niveaux d'un coup sur chaque personne. C'est dire à quel point c'est dur, c'est... Et là, je viens de me rendre compte que c'est pas par là qu'il fallait aller. Tu m'étonnes. Surtout qu'il y avait un espèce de boss, là, je vais même pas essayer de le combattre. Enfin, du coup, là, je monte plus de niveau. Enfin, bon, tant pis. Donc, ouais... Non, lui, il a pas assez de MP, je peux le faire avec lui. Yu-Gi-Oh! Donc je crois que c'est Danix qui m'avait fait faire Yu-Gi-Oh, donc merci à lui parce que c'est utile ici. Comme il craint, il y avait pas mal de feu. C'est pas très très cher. 8 MP sur 44, c'est pas... Bon, là vous... Ouais, je suis obligé de passer par là, je crois. Enfin, du coup j'ai un trop gros niveau pour vous, je vais les défoncer. De toute façon le niveau, faut forcément le monter un jour. Donc je le ferai hors vidéo, mais de toute façon on est obligé de le monter parce que franchement la fin c'est vraiment trop dur sinon, enfin c'est impossible. Même avec les meilleures magies, on a pas assez de vie, on se fait défoncer. Donc il n'y a pas la cadence. Avec 6 points de magie. Donc vous verrez à la fin ouais, pourquoi il faudra faire de level up. Ça peut suffire, je pense. On peut pas aller par là. Bon, si vous rappelez bien, on devait aller en partir en bateau en fait. Mais Arnage, c'est assez bizarre parce que le scénario, on peut pas le suivre direct quoi. Faut passer les jours. Pour passer le jour, faut des événements. Parce que là, vous remarquez, bon, la truc est encore pollué, on est toujours pas au jour 2. Ça se voit d'ailleurs. Et donc, c'est par là qu'il faut passer le scénario en fait. Et une fois qu'on sera sorti d'ici, le jour sera passé. La planète sera purifiée normalement, vu que ça sera le jour 2. Et à ce moment-là, ben, on pourra aller continuer le scénario. Ah, c'est marrant comment il fait. On sait pas comment enlever ça, c'est pas très utile. Ils sont assez chiants parce qu'ils s'enfuient. Putain, je me rappellerai jamais de tout ça. Vous voyez les écoutes, ça c'est ce qu'on crée les trucs. Megami. Ou Mekami plutôt. Je vois pas très bien ici. Megami. Mais je crois. Non, Megami, on me l'avait déjà dit. C'est Karlex qui m'avait dit.
Donc c'est pas Megami, je pense que c'est Mega Mekami. Parce que moi là, je l'ai déjà dit, mais je suis sur un petit écran, je vois pas très bien. C'est, mais y a pas de C. Non. Y a pas de C. Bon bah c'est ça. Hein. Non, c'est pas Megami. Putain, c'est pas possible. J'ai déjà fait Megami. Ouais, bah c'est pas ça. Ah si, la lumière vivante. Ah bah oui, d'accord. C'est un truc de soin, moi je crois que ça faisait une attaque de sacré ou un truc comme ça. Merde. Ouais, puis merde, on s'en fout. Voilà. Je vais pas perdre mon temps. Oui, à la base, quand je fais le level up, je voulais faire une vidéo. Je me suis perdu, du coup, ça fait 900 secondes. Où je traînais à faire de l'XP, donc du coup j'ai annulé la vidéo et... parce que le but c'est montrer le jeu, c'est pas de faire n'importe quoi. C'est quoi Warn? Ah d'accord. Ah ouais, super, c'est pour l'MP. Bon, de toute façon, il fallait obligatoirement passer par là. Sur une personne, ça va. Attaque terre, ça marche pas sur ceux qui volent. Non, il me faudra une attaque d'autres zones, ça sera pas. Ça leur fait rien, c'est de la foule. Voilà. Un truc. Ok. Alors, ouais, ce que je sers, c'est le truc d'eau. Je m'en fous. Trouve magma, ouais. Vent. Non, mais y'en a pas d'eau. C'est parce qu'il y avait marqué à quoi, alors comme un con, j'ai cru que c'était un truc d'eau. Bon, attends, c'est marrant. La puissance en L, ça marche. Alors, merde, il me saoule. Ouais, lui, il a une chance, hein, putain. Donc ouais, ça, Salant, il a pas mal de points de magie. De MP. Alors, qui est à cet endroit? Comment on y va? Faut rentrer par là-bas, ok. Pas. Peut-être un truc invisible, un truc comme ça. Ah, ils font chier, hein. À mon avis, on peut pas les battre. Ils fuient dès qu'ils peuvent. C'est bizarre. Ouais, je crois qu'il faut revenir plus tard dans le jeu. Alors. Merde, ça va pas passer le jour. Putain, j'ai fait ça pour rien en plus. On s'en foutra l'heure avant. Bon, j'ai toujours des trucs qui régénèrent les MP parce que c'est assez utile quand même. Parce que là, on n'est pas dans FF, hein. Y a pas des éthers qui ramènent tout l'MP là. Dans tous les coins. Hein. Donc, ok, maintenant je vais passer par là. Ah, mais ils vont me saouler longtemps. Ah bah tiens, un coffre. Alors ça, 1200, c'est pas mal quand même. Ouais, parce qu'on n'obtient pas du fruit facilement. Hein.
Bon, moi je fais du level. Alors, ouais, la vidéo est un peu vide en scénario là, je vous l'avoue. Merde, je me suis attaqué comme un con. Caballero. Oh bonne. Ouais, bon, bah apparemment je comprends pas trop. Hein. Ouais, il faut avoir le jade, mais le jade on l'obtient. Ouh, j'ai complètement oublié. Si vous doutez que chaque perso principal a un jade. Sauf que lui, je sais plus où il l'obtient en fait. On va essayer de le combattre, ok. Par croire que j'ai fait tout ça pour rien, c'est le cas en plus apparemment. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que c'était mon scénario préféré, mais il va devenir très très intéressant plus tard. Et pour l'instant c'est clair que c'est bien chiant. Putain, s'il y avait une touche là exprès pour fuir, ce serait bien. Et moi je suis un adepte de la fuite hein. Enfin, faut dire, montrer une vidéo avec des combats, ça devient chiant en fait. Ah bah pas trop beau. On va faire sortir d'ici. Voilà. Alors. Merde. Je vais peut-être me soigner. Parce que des fois les auberges faut monter à l'étage pour se reposer. Ah bah décidément. Il se passe vraiment rien. Le truc c'est que à force de changer de scénario et en plus de faire les walkthroughs des autres jeux, je me rappelle plus du tout de ce qui s'était passé. Je me rappelle qu'ils avaient volé le Saint Graal et c'est tout ce que je me rappelle en fait. Bon. Merde. Comment ça me saoule là. Voilà. Bon, j'aurais dû acheter de l'équipement, tant pis. Je pressens. Donc là, si on va à droite, on tombe sur un désert. Je vous le dis au cas où. Bon, je pense qu'on a le jade là, parce que c'est des ruines. Donc ça va faire comme dans les autres scénarios. Enfin, sauf que Risa qui l'avait avant. Alors c'est ces ruines là que je vous ai dit que j'ai XP comme un malade, je faisais 2 niveaux par combat. Comme vous pouvez le voir, c'est pas... C'est pas de la tarte. Enfin, j'abuse un peu peut-être. On crame pas la terre, bon. Bon. Je vais attaquer puis je vais me soigner avec la magie. Donc encore eux ils sont pas très puissants. Mais après il y a des... Il y a aussi des ennemis. Ils font très mal. Ils font une attaque de terre de zone sur tout le monde. Ça fait tomber un espèce d'énorme bloc de terre sur tout le monde. Et ça rend très puissant. D'ailleurs faudrait que je retienne le nom pour copier la magie. Sans PO. Ah les bâtards. On fait mal. Hein. Bon je vais sauvegarder. Là-bas on peut sauvegarder mais on peut pas soigner comme dans l'autre tour. Comme avec son.
Ah, c'est cet ennemi-là qui fait une grosse attaque de zone très puissante. C'est pour ça que je vais me battre. Ouais, ouais, c'est ça. Ra-i Moru, si je me trompe. Voilà. Bon. Voilà. Donc, prochaine vidéo, le boss. Parce que sinon, je pense que j'aurai pas le temps. Donc, la vidéo est un peu courte. J'ai pas fait grand chose. J'espère que ça vous dérange pas trop. Donc, à la prochaine, salut.